Donc on va terminer avec la grégorienne. À l'époque, il y avait, si j'ai bon souvenir, 36 000 jésuites par-ci, par-là, le monde. Et donc, ils pouvaient envoyer ce qu'il y avait de mieux à la grégorienne. Il y avait un noyau dur d'Italiens. Mais bon, ils venaient, les profs venaient pendant un semestre de la plupart des grandes universités jésuites. Donc, j'ai eu quand même des types qui resteront dans l'histoire. Il y avait un certain Copleston qui a écrit 10 volumes sur l'histoire de la philo, qui nous a donné un cours sur Wittgenstein. C'était un ancien garde de la reine, converti au catholicisme, terminé en beauté comme jésuite. Il parlait pas... Bon, il lisait le latin, mais il ne pouvait pas donner ses cours en latin. Donc, il avait appris une phrase en latin. « Est-ce que tout le monde comprend l'anglais ?» Il disait ça au début de son cours et tout le monde était là. On n'était pas très nombreux, c'était un cours à option. Comme personne ne réagissait, je vais continuer en anglais. Il m'a dit une fois, c'était un type très sympa, un vrai gentleman, il m'a dit une fois que le jour de Noël, il était descendu à la bibliothèque chercher un bouquin. Il avait rencontré un confrère Cochinec, un vieux jésuite tchèque qui avait beaucoup souffert sous le régime communiste. Et il lui a dit « Happy Christmas, bon Noël ». Et le type s'est réveillé en disant « Ah, mais c'est Noël aujourd'hui, mais je savais pas ». Copleston, en anglais, il a dit « Je me suis promené comme un possédé en Rome pour me soulager de cette frustration ». Mais ce brave Cochinec nous donnait des cours sur les textes d'Aristote. Il ne nous a jamais parlé de Jésus, de Dieu, de la Vierge Marie, encore moins de Padre Pio. Mais il a expliqué une fois les passages de la métaphysique d'Aristote où il arrive, si Dieu veut, Aristote, à l'idée du primum movens immobile, celui qui fait tout bouger mais ne bouge pas, il était tellement ému qu'il est tombé dans une sorte d'extase métaphysico-mystique. Et il pleurait des chaudes larmes et toute la classe est partie discrètement, le laissant là, sur une autre planète philosophique. Il y avait aussi, ouais, je vous ai déjà dit, Lonergan, il y avait des gens qui venaient de la Fourvière en France, dont celui qui m'a le plus... j'étais en philo, mais j'y allais le strict minimum. Les cours que je suivais avaient lieu dans un tout petit département inédit, assez nouveau, de missiologie, l'étude de la mission. Et donc là venait un baraki alsacien, le père Goetz, qui venait de Lyon, qui avait fait du terrain au Tchad, et lui donnait aussi ses cours en latin. Il n'a jamais publié grand-chose, mais il avait une érudition ethnographique, ethnologique, tous azimuts. Il avait tout lu, et il donnait ses cours, je me rappelle une fois, sous les figures de la déesse mère, si vous voulez, chez les Papous, les Patagons, les Pygmées, les post-modernes. On était sidérés, si tu veux, et à la fin, c'était un vrai trickster, provocateur, il terminait toujours en disant, parce que nous on disait, mais et la Vierge Marie dans tout ça, il a dit, oui, oui, c'est comme ça, sed est verum, ça veut dire, elle fait partie du lot, si tu veux. C'était assez étonnant. C'était si j'avais une vocation d'ethnologue, je crois que ça vient de chez lui, à cause de cette... Surtout, lui ne jurait aussi que par Eliade et tous ces grands gabarits victoriens, Fraser, Tyler, qui avaient aussi, bien avant l'époque des ordinateurs et Google, si tu veux, ils devaient avoir des fichiers hallucinants en quantité industrielle pour avoir toutes ces références. Et on était impressionnés parce que c'est pourquoi je suis un
converti nominaliste, parce que tout ça nous aboutissait à des paradigmes ou des prémices qui nous paraissaient très profonds, que l'eau, par exemple, chez les Mésopotamiens, chez les Inuits, chez tout et quoi. Ça, mais pour finir, Eliade et ses semblables, oui, mais l'eau, pour finir, ça détruit, mais ça recrée. On dit, mais c'est merveilleux, parce que c'est le baptême, si tu veux. On voyait, si vous voulez, un peu comme Jung, que tout le monde était pays, que tous les peuples avaient les mêmes convictions de base, et que le christianisme, le catholicisme en particulier, venait mettre les points sur les i. C'était comme ça, si tu veux, qu'on abordait l'anthropologie et l'ethnologie à l'époque. Comme je dis, missiologie, il y avait une demi-douzaine de profs, il y avait une trentaine d'étudiants, tous des congrégations missionnaires. Moi, je les fréquentais par sympathie. Mais je dis aussi, parce qu'on dit, voilà, les jésuites, c'est des gens, c'est des militaires de Jésus, ils doivent être très disciplinés, ressemblants comme des petits pois. Mais chacun avait son caractère, et la plupart étaient même caractériels. Il y avait un brave Belge à l'époque, un certain Van Bull, grand spécialiste des langues swahili, qui donne des cours, mais sous forme d'une polémique. Ça veut dire, la missiologie, il n'y avait pas de faculté ad hoc, et donc on les avait coincés dans un couloir transformé en salle de cours, et ce type arpentait le couloir, nous on était là face à lui, et lui combattait des adversaires redoutables, mais invisibles, en disant en latin, « Ego dico tibi, je te dis ceci, quid respond, qu'est-ce que tu me dis, espèce de gros con, moi je vous... » Parce qu'il était très féru de l'anthropologie du fameux Pater Wilhelm Schmidt, le brave Verbe divin, qui a écrit 12 volumes sur l'Ursprung der Gottesidee, l'origine de l'idée de Dieu. C'était vraiment le problème à l'époque. Est-ce que les primitifs avaient été monothéistes à l'insu de leur plein gré, ou est-ce qu'ils n'avaient pas de religion du tout? La thèse la plus courante, c'était qu'ils étaient presque plus catholique que le pape, si vous voulez. Bon, il y avait ce Van Bull qui avait une tête d'ascète hindou et qui se schlinguait aussi tout autant. Et on avait même, pour le taquiner, on avait fait une quête pour qu'il se coupe les cheveux et les ongles. Tout ce qu'il a fait avec les sous, c'était d'acheter du tabac prisé. Il se notait toujours dans sa barbe, c'était immonde. Puis on avait... Il y avait le père fondateur de la missiologie, un certain père maçon qui a créé des journées de missiologie à Louvain, à Leuven, dans les années 20 et 30. Et lui, c'était un très brave bonhomme, pieux comme on n'en fait plus. Mais sous son bureau, il y avait une belle statue gothique de la Vierge, un peu déhanchée, et puis un immense lignum vitae, un phallus des plus phalliques à côté. Nous, on disait, mais mon père, mais... Non, non, il dit, c'est toujours la même chose. C'est la vie qui jaillit, qui monte. Et je dis, bon, ils avaient... C'était assez fascinant. Bon, je termine mes quelques années à Rome, docteur en philosophie, avec cette thèse sur Teilhard de Chardin et Albert Camus. Je croyais que j'allais devoir enseigner quelques années dans une maison de philo, sans doute, en Irlande. Et mon supérieur majeur immédiat, un brave Irlandais qui avait été l'employeur de Nirere à Tabora. Nirere a commencé comme Mwalimu, comme enseignant, dans une école à Tabora, en Tanzanie. Et le père Walsh avait été son patron, son boss à l'époque. Et il avait été élu, le père Walsh, comme un des 4 supérieurs majeurs des pères blancs. C'était un type farceur aussi, sens de l'humour typiquement anglais. Il avait mis sous sa porte, « If you have nothing to do, don't do it here. » Si vous n'avez rien à foutre, ne le faites pas chez moi.
Et le père supérieur majeur, constipé comme on n'en fait plus, a dit non, enlevez ça quand même, c'est pas très évangélique. Oh, il a enlevé. Mais on était très, très copains. Et il a dit, Mike, ça te dirait de faire de l'anthropologie? Parce que après 100 ans de mission, il serait quand même temps qu'on tienne compte des cultures d'atterrissage pour mieux soigner l'emballage. On a le cadeau. Mais l'emballage, parfois, laisse à désirer. Donc, allez. Après, je me suis dit, mais c'est un peu comme le roi Hérode qui disait au roi mage, écoute, quand vous avez trouvé le Messie, viens m'expliquer le programme et j'irai moi aussi faire le nécessaire. Et c'est ça la grande ambiguïté de l'anthropologie appliquée que j'ai connue plus tard chez les médecins avec ou sans frontières, c'est qu'ils veulent aussi connaître le Messie, non pas pour l'adorer, mais pour le couillonner, ça veut dire pour mieux soigner leurs pilules et autres pommades, parce que nous avons la vérité, rien que la vérité. Les autres, il y a des obstacles. La culture, à l'époque où j'enseignais dans des écoles de médecine tropicale et internationale, c'était souvent vu comme faisant obstacle. Ce n'était pas du tout un jalon ou un pied d'attente, comme parfois on le disait dans les milieux plus iréniques et écuméniques. Donc il fallait toujours connaître l'autre pour enlever les obstacles qui empêchaient le passage du message. C'était comme ça, je dirais, qu'on concevait l'anthropologie appliquée et l'anthropologie au service de la mission. C'était surtout comme ça qu'on voulait me faire de l'anthropologie. Et moi je n'ai pas demandé d'aller à Oxford. Dans toute ma vie, je n'ai jamais rien demandé. Tout ça m'est tombé dessus par le plus grand et le plus heureux des hasards. Et il a dit, bon, ben, allez à Oxford faire une année ou deux d'anthropologie. J'ai su après que c'était de nouveau parce qu'il craignait de me lâcher trop tôt sous les âmes innocentes, parce que je ne m'étais pas encore suffisamment calmé conceptuellement. Et donc, je suis parti, j'ai pris le train, on ne prenait pas l'avion à l'époque. Je me rappelle que je suis arrivé à Oxford le 15 août, fête de la Vierge, et j'ai frappé à la porte de l'Institut d'anthropologie sociale à Oxford. C'était sur le Banbury Road, c'était dans la périphérie bourgeoise victorienne, une de ces grandes maisons gothiques victoriennes que l'UNIF avait acheté pour localiser l'Institut d'anthropologie. Et je frappe à la porte. La porte s'ouvre et un bonhomme, un peu, sinon beaucoup crado, habillé en velours. Il avait l'aspect d'un paysan irlandais sorti d'une tourbière. Il avait un épagneul miteux entre ses jambes. Ça sentait déjà à 10h30 du matin le Guinness. Moi, je croyais que j'avais affaire au concierge qui était là pour les vacances. Et j'ai dit un peu comme un extraterrestre, « Take me to your leader. Où est votre patron? Où est votre directeur? » Parce que je suis envoyé de Rome pour faire de l'anthropologie. Il a dit, « Mais c'est moi, je suis Evans Pritchard. Oh. » c'était un trickster. Je n'ai jamais connu, si je pouvais de nouveau canoniser quelqu'un, ce serait Evans Pritchard. C'était un type excessivement humain, excessivement accueillant, sans le moindre arrogance, pas du tout un but de sa personnalité. Moi, je crois qu'il y a des gens qui naissent géniaux et qui ne se rendent pas compte que les autres doivent faire un effort pour arriver au plancher et eux, ils démarrent au plafond, si tu veux. C'est inné, c'est congénital. Bon, il y a d'autres qui sont plus chiants que ça, mais c'était vraiment... J'ai dit, bon, moi, je suis envoyé
pour faire l'anthropologie, par les peuples. Il a dit ça tombe bien, parce que ce que nous aimons le plus à Oxford, il a dit en anglais, « niggers and missionaries », c'est des nègres et des missionnaires, donc ça tombe bien. Et j'ai dit, mais malheureusement, je n'ai pas, j'ai oublié mes diplômes. Il a dit, pourquoi est-ce que vous tricherez, mon père ? Soyez des nôtres. Et je suis monté effectivement au secrétariat. Et j'ai dit, bon, il y a un problème, c'est que... Mais pas de problème. À l'époque, en Angleterre, il n'y avait pas de carte d'identité. Ça veut dire que vous disiez Napoléon. Les gens disent, bon, si vous le dites, allons-y. Donc j'ai dit, bon, Michael Singleton, voilà, je m'inscris. Et je vous ai dit, chez les Blancs, je n'ai jamais reçu de notes. Mais même à Oxford, j'ai dû demander des années après une copie de mon certificat de doctorat. Ça veut dire que tu te présentes comme docteur, il ne faut pas le démontrer, il ne faut pas avoir une sorte de certificat en caractère gothique. Et à l'époque, on croyait les gens sur parole, les gentlemen ne trichent pas, si vous voulez. Et donc, heureusement aussi, il y avait déjà un confrère qui a dit, parce qu'à Oxford, il faut appartenir à un college, si tu veux. C'est pas toujours facile de trouver un point de chute. Mais il y avait déjà un père blanc qui se trouvait dans un collège qui s'appelait Greyfriars, qui était un des collèges qui, au bas Moyen-Âge, avait créé Oxford avec les Dominicains et les Jésuites. Il y avait aussi, à l'époque à Oxford, il y avait aussi un hall, comme on disait, où il y avait les Jésuites, il y avait aussi un collège des Dominicains, et puis il y avait les Franciscains, qui étaient les frères grisonnants, ou grisâtres, ou gris. Et donc je me suis installé à Greyfriars, qui était très sympa. On mangeait beaucoup mieux chez les Capucins, malgré le vœu de pauvreté, que chez les Pères Blancs. Une des choses dont je me souviens le plus, c'était les university dinners. Ça veut dire une fois par mois, les collèges invitaient d'autres collègues et confrères à venir guindailler. Oh, Greyfriars aussi, le père supérieur, qui était le premier et peut-être le seul docteur en musicologie de Oxford. Peter Peacock. On avait dû inventer un gown, un toge spécial pour lui. C'était rose bonbon, c'était assez cocasse. Il avait des instruments de musique partout dans le couvent, des espinettes, des clarinettes, des dieux sait quoi. Et c'est un type très sympa de la haute bourgeoisie anglaise, très accueillant. Le supérieur immédiat était le père Cassien. Ces deux-là ne se parlaient pas. Et comme ils ne pouvaient pas s'étriper publiquement, ils communiquaient par des petites billets qui glissaient en dessous de la porte. Mais je dis, ces university dinners, une fois par mois, nous pouvions inviter des collègues et des profs à venir dîner dans le couvent. C'était le seul collège, si je me souviens, qui continuait à guindailler pendant le carême, malgré que ce soit... Et on avait un cave de vin hallucinant, c'était... Et ce qui m'a toujours sidéré, si tu veux, à Rome, j'avais lu des bouquins d'Evans Pritchard, j'avais lu de l'archéologie de Margaret Kenyon qui avait fouillé Jericho, j'avais aussi... lu des articles de Zener, qui était le grand spécialiste des Zoroastriens. Mais c'était des noms, c'était des divinités, c'était des extraterrestres. Et ils étaient là, à Oxford, et on les a invités à venir manger avec nous. Et je me rappelle, un de ces universités dinners, où justement, il y avait Dame Margaret Kenyon à côté du feu ouvert, en train de peinter à gogo du cognac, Evans Pritchard déjà complètement rond. Et Zener aussi, qui était un drôle de coco. Ils étaient tous vaguement, ils étaient tous très croyants, si vous voulez, très pieux, et certains catholiques. C'était assez paradoxal. Et donc, qu'est-ce qu'on pouvait bien manger? On était là avec des cocktails.
cocktails et des mignamas. C'était jamais connu ça. Je me suis trompé de congrégation. Parce que c'était vraiment capucin, chapeau. Et après cette soirée mémorable, ça devait être au mois de novembre, parce qu'il y avait un de ces brouillards cette soirée-là, et un spécial vers 2h du matin, et il a dit, bon, et Mike, il est temps que je rentre chez moi. Moi, j'ai dit, mais comment est-ce que vous allez faire? Ils étaient venus en voiture, il avait un petit Austin. Il a dit, il n'y a pas de problème, mets-moi au milieu de la route, et je suivrai la ligne blanche. Et comme ça, si je pars dans la bonne direction, je l'ai fait. Il était toujours vivant le lendemain, donc il a dû rentrer chez lui. Et puis, une heure après, il y a Zener qui dit, « Oui, maintenant, moi aussi, je suis fatigué. Ramène-moi à Old Souls. » C'était un des collèges où il n'y avait pas d'étudiants, rien que des sommités. Je le mets dans... J'avais un R4 à l'époque. Je le mets dedans. Je l'amène de nouveau dans le brouillard. Il n'y avait personne, évidemment, à 3 heures du matin. On sort de la voiture devant une porte qui m'avait indiqué. Et il se met à tambouriner sous cette vieille porte. « Ouvre, nom d'un chien, ouvre !» Et puis, à 10 mètres plus loin, il y avait... À Oxford, l'université avait sa propre police, ses propres gendarmes, des bulldogs. C'était des types qui ressemblaient à des bulldogs. Ils avaient des chapeaux melons et des bottes de cuir, des vieux schnocks. Et un de ces bulldogs a sorti sa tête. Il a dit, « Monsieur le professeur, cette porte est fermée depuis le 13e siècle. C'est ici où on entre. » Bon, je dis, si je raconte ça, c'est pour dire que Oxford était à la fois la maison des causes perdues, mais aussi des types mais complètement fascinants humainement. On avait un Dominicain aussi qui nous donnait cours à l'Institut sur l'art africain. Son frère était nonce apostolique en Afrique. C'était un copain du Father Walsh, donc je suis allé le saluer aussi. Je ne crois pas qu'il avait mis ses pieds en Afrique, mais il avait présidé la rédaction d'un histoire de l'Afrique orientale, grand spécialiste de l'art africain, mais complètement excentrique, à un point tel que, puisqu'il avait un matin commencé à dire la messe en pyjama, il avait oublié de mettre les ornements sacerdotaux, le supérieur du couvent des Dominicains a dit « Non, non, maintenant, dites votre messe, mais dans une chapelle privée ou à la sacristie, parce que les fidèles ne sont pas habitués à voir un prêtre en pyjama à l'hôtel. » Et il prenait le bus, si tu veux, pour venir à l'Institut. Et il descendait du bus. Mais très souvent, il oubliait pourquoi il était là. Et je me rappelle une fois, nous, on n'était pas très nombreux comme étudiants, à peine une quinzaine, et on était tous en train de le regarder descendre du bus. Il avait une espèce de sacoche ex-stock américain dans lequel il mettait ses 10 heures, qui étaient souvent des tartes à la crème, qui étaient complètement plein de paille et de crasse de sa sacoche. Ce jour-là, il avait mis ses pantalons, mais à l'envers. Dieu sait comment il avait ses petits besoins. Et on le voyait, il regardait, mais où est-ce que je suis? Et alors, il a poursuivi son chemin. Une centaine de mètres. Alors, quelqu'un est sorti quand même de l'Institut pour le ramener. Qui donne son... J'ai dit, c'était fascinant. Alors, ce qui m'a frappé aussi, je me rappelle, c'était hallucinant. Dans la plupart des autres universités, tu commences presque à peine le dernier semestre fini, vous avez les examens et puis vous redémarrez au milieu du mois d'août à Oxford. Il y avait 3 semestres par an et chaque semestre n'avait que 2 mois entiers. Et il y avait...
il n'y avait pas de cours. À Rome, nous étions obligés, entre guillemets, à l'assiduité, en latin, assiduitas. Et après cinq minutes, si vous n'étiez pas présent, on fermait les portes à clé et vous ne pouvez pas entrer. Et donc, j'étais programmé pour ce lavage, gavage de cerveau du haut d'un chair magistral, mes profs débitaient des cours en latin, il fallait prendre note. À Oxford, je me rappelle, Evans Pritchard arrive, le premier jour, c'était déjà au début du mois d'octobre, et il a dit, voilà, je me suis dit, il va faire une introduction à l'anthropologie ou l'histoire des grands penseurs anthropologues. Et il a dit, j'ai écrit des bouquins d'introduction, j'ai pas de pourcentage là-dessus, mais achetez-les quand même. Et je vous donne le choix entre 8 leçons, parce qu'il ne donnait que 8 heures par an, pas 16, 8 heures par an comme prof d'UNIF. Et il a dit, je vous donne le choix entre le symbolisme des oiseaux érotiques dans la peinture flamande ou les étuis péniens. Et il nous a regardé et il a dit, comme je vois qu'il y a des persons of the cloth, ça veut dire des curés, des bonnes sœurs, effectivement, la moitié de l'auditoire était soit des curés, soit des bonnes sœurs, je vous conseille les oiseaux érotiques. Alors bon, allons-y pour les oiseaux. Et c'était remarquable parce que là, vous avez l'impression que tout était encore à faire. Quand vous avez une introduction de 600 pages, vous dites, mais qu'est-ce que je fous? Tout a été dit, tout a été fait. Mais quand vous avez un tout petit truc pointu, c'était un article qu'il préparait pour Dieu sait quelle encyclopédie, mais vous avez l'impression que tout était encore à faire par la génération à venir. Et grâce à cet épaississement empirique, comme je dis, très pointu, on avait on pigeait. Ça faisait tilt par rapport à des grilles d'analyse telles que structure et fonction. Il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs, il faut commencer avec le bœuf. Si vous essayez, comme on fait sur le continent, à expliquer structure et fonction, eh bien, le terrain, ça illustre. Ça tombe comme un cheveu dans la soupe théorique. Dans le système anglais, vous commencez avec le terrain. Et tout est pour le terrain. Vous décollez et vous déconnez un peu vers des grilles d'analyse, mais c'est pour mieux retourner à piger le particulier. Il y a un tout autre système. Bon, c'est peut-être pas comme ça dans d'autres universités d'Angleterre. C'est peut-être même plus comme ça à Oxford, mais le système n'était pas du tout à base d'enseignement magistral. Les cours n'étaient pas du tout obligatoires. Tout se passait pour l'essentiel lors des tutorials, comme on dit, lors des tête-à-tête avec ton prof. Bon, il pouvait se permettre ce luxe-là. Comme j'ai dit, une quinzaine d'étudiants, troisième cycle, tous post-graduate, et une demi-douzaine de profs. C'est peut-être mieux que je continue après.